Yo les gens, c'est Razan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour la fameuse vidéo test de Max Payne 3, voilà. Donc ça fait longtemps que je vous en parle, hein. D'ailleurs je vous ai peut-être un petit peu gavé en vous la présentant à chaque vidéo, en vous disant à chaque fois, oui, si vous avez une vidéo à voir ce mois-ci, c'est celle-ci. Voilà, donc tout simplement parce que j'ai mis énormément de travail dans cette vidéo. Il y a un petit peu de retard, j'aurais dû la sortir ce week-end, mais j'ai eu quelques petits soucis de rendu. Du coup, je la posterai sûrement lundi ou mardi. Ce sera peut-être plus proche de mardi que de lundi. Et voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Et on va commencer tout de suite, hein. Donc, pour débuter cette vidéo test, on va tout simplement faire une petite fiche descriptive de ce jeu. Ouais, donc c'est un jeu édité et développé par Rockstar Games, donc les mêmes qui ont fait, enfin les mêmes développeurs que les GTA, donc ça j'avais déjà précisé dans ma vidéo découverte. Et c'est édité par Rockstar Games. Voilà, donc c'est un type action, hein, donc c'est l'action à l'état pur, hein. On aurait pu aussi le mettre dans action-aventure, mais bon, c'est pas vraiment une aventure, c'est surtout comment, vraiment que de l'action, quoi, des phases de tir à la troisième personne, voilà. Ensuite, donc c'est déconseillé aux moins de 18 ans, donc là je sais pas trop de quoi préciser, hein, tout simplement parce que y a certaines phases où on peut voir un peu de sang, enfin voilà quoi, il y a un petit peu de sang, il y a de l'action, il y a des moments où on voit un peu de drogue, voilà, donc cela explique le moins de 18. Et ensuite c'est sorti le 18 mai 2012, voilà, donc je suis un petit peu de retard au niveau de la vidéothèque, j'aurais peut-être dû le sortir un mois après, enfin c'est pas grave, voilà. Donc là, je pense que c'est un petit peu tout. Après, voilà, on peut faire un petit résumé vite fait. Voilà, moi je n'ai pas joué au Max Payne 1 et au Max Payne 2, mais voilà, à peu près les résumés qu'on trouve un petit peu partout, hein, sur Wikipédia ou un petit peu n'importe où, hein, c'est tout simplement que bah, c'est Max Payne. Je vais essayer de résumer brièvement, hein, pour pas faire que du lait, pour pas faire que lire. Simplement un mec qui a perdu sa femme et sa fille et son partenaire, je crois, lors des deux premiers Max Payne. Et donc lors des deux premiers, je crois qu'il avait cherché à les venger ou quelque chose comme ça. Et lors de ce Max Payne 3, tout simplement, il y a un ancien collègue à lui qui vient le chercher pour une nouvelle mission à São Paulo. Donc jusqu'à maintenant, il était je crois que c'était à New York, mais je crois que j'ai peur de dire une connerie. Oui, je crois que c'est ça. Et du coup, il part pour São Paulo. Voilà. Donc, c'est simplement pour ça, pour une nouvelle mission, pour essayer de refaire sa vie. Et je vais m'arrêter là pour pas trop vous spoiler. Voilà, donc c'était une petite fiche descriptive. Et on se retrouve tout de suite maintenant pour les premiers points que je vais aborder avec vous. Donc, on commence par le gameplay. Alors ce gameplay, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors ce gameplay, déjà, il faut savoir que c'est un gameplay tout ce qu'il y a de plus basique. Il n'y a pas vraiment de nouveauté, si ce n'est une nouveauté que je vais vous en parler après. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de nouveauté, on connaît ce gameplay, hein. C'est toujours se couvrir, tirer, viser. Enfin voilà, c'est toujours le même système que dans les jeux comme, je sais pas moi, God of War, non, pardon, Gear of War. Parce que God of War c'est un autre jeu. Gear of War, il y a aussi du Uncharted. Enfin voilà, ce genre de jeu, donc ces jeux à la troisième personne qui voilà, justement, ont le même principe au niveau du gameplay. C'est vraiment à peu près la même sensation. Mais alors, effectivement, donc vu que c'est un gameplay qu'on connaît, un gameplay qui n'est pas novateur, justement, ça nous permet d'avoir une très bonne prise en main au niveau de celui-ci. Du coup, on galère pas à jouer dès le début. On est tout de suite. Le gameplay est très intuitif. Et du coup, c'est très facile à prendre en main. Et du coup, on n'a pas de soucis à se faire pour arriver à adopter ces commandes. Alors, justement, donc il y a une petite nouveauté que je vais vous parler. C'est. Enfin, la nouveauté. C'est bien propre à Max Payne. Donc, c'est la Bullet Time. Donc, le Bullet Time, je crois que ça s'appelle. C'est tout simplement, donc on appuie sur une touche, je vais dire R1 parce que moi j'ai eu sur PS3 et sur Xbox ça doit être RB, je crois que j'ai dit n'importe quoi, enfin bref, et ça nous permet de sauter, donc de faire un saut à la James Bond, hein. Comme ça on saute et au ralenti, donc ça fait vraiment un effet super cool, hein.
Ça, je vous l'accorde. Et c'est vraiment quelque chose de vraiment pas mal, hein. Ça, c'est bien propre au Max Payne. Je ne connaissais pas. Et il faut avouer que c'est vraiment, ça a son charme. C'est vraiment pas mal. Pas mal jouissif, hein, de sauter comme ça au ralenti pour pouvoir tuer ses ennemis. Et c'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est la petite nouveauté. Enfin, la petite nouveauté. Le petit plus du gameplay vraiment qui est très 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 bien. C'est vraiment un point positif dans ce jeu. Donc il y a la bullet time et le bullet cam. Donc ça, c'est pas vraiment, ça fait pas vraiment partie du gameplay, mais ça fait plutôt partie du graphisme, enfin des graphismes et des animations. Donc je vous en parlerai après. Voilà, donc ensuite, donc là je vous ai parlé un petit peu des séances de gunfight. Mais là, maintenant, ce que je vais vous parler, c'est tout simplement au niveau des touches pour on va dire pour déplacer le personnage. Donc après, donc Max Payne est plutôt enfin bien maniable. Il est ni trop lourd ni trop léger, un peu plus léger que lourd, mais après ça dépend des moments. Au niveau de ses animations, bon, ça fait partie aussi des graphismes, mais donc on peut faire des roulades, on peut se mettre à l'abri, à couvert, on peut aussi faire le bullet time, donc c'est ce que je vous ai parlé à l'instant, et ben, c'est un petit peu tout. On peut aussi, on peut monter, enfin on peut franchir des obstacles, donc en montant, hein, tout simplement. Et après, au niveau des sauts, il y en a pas, hein, il y en a vraiment pas. Donc ça, bon, c'est pas non plus, c'est pas un jeu de plateforme, donc c'est pas très regrettable, hein. C'est vraiment un jeu d'action. Et alors au niveau de ce gameplay, donc il est extrêmement intuitif, mais un poil répétitif. Au bout d'un moment, vers les dernières heures de jeu, on commence à en avoir un petit peu marre. En fait, on n'a plus trop envie de jouer, mais on a plutôt envie de voir ce qui va se passer. Car je vais vous parler du scénario après, mais le scénario est tellement prenant. Et le gameplay est un petit peu répétitif, du coup on n'a plus trop envie de jouer. On a envie de continuer, on a envie de continuer le jeu, mais pas pour faire des séances de gunfight, mais plutôt pour voir ce qui va se passer. Enfin voilà. Et dernier petit point, donc il y a certaines séquences pardon, de gameplay où on est sur un véhicule où on doit tuer les ennemis qui nous tirent dessus. Donc ça peut être en bateau, ça peut être ça peut même être en hélicoptère, ça peut être aussi en voiture tout simplement. Et c'est vraiment pas mal, ça c'est vraiment pas mal. C'est des petites séquences qui permettent de diversifier le gameplay. Et c'est vraiment un bon point, car justement, je pense qu'ils s'en sont rendu compte que le gameplay pouvait être répétitif. Et du coup, ils se sont dit, et si on diversifiait un petit peu, et si on proposait d'autres séquences de jeu. Et alors, il y a aussi un autre point au niveau du gameplay, c'est que parfois, quand il va y avoir une action impossible à faire, donc je sais pas vraiment si on peut le classer dans le gameplay ou dans les animations ou dans les graphismes, mais il y a un moment, par exemple, je vais vous citer celui qui vient le plus à l'esprit maintenant, c'est un moment où on attrape une grue et on se balance avec la grue et on saute et on doit toucher les ennemis, voilà. Et donc ça fait vraiment une séquence hyper hollywoodienne, et ça fait vraiment stylé, hein, ça je vais vous l'avouer, c'est vraiment stylé. Et généralement on peut pas mourir dans ce genre de séquence. Voilà. Ensuite, bah voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit sur le gameplay. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Si, ah oui, si, j'ai peut-être oublié un petit point, c'est le fait de quand on Pour, quand on est, quand on a la santé qui est au plus bas, on a la possibilité de ramasser des antalgiques. Donc les antalgiques qui nous permettent de régénérer notre santé. Et ces antalgiques, on les trouve un petit peu partout, hein, par quantité de 1 ou 2, ça dépend des endroits. Et ça nous permet de régénérer notre santé. Et si vous vous faites tirer, donc au bout de enfin, si vous avez plus de vie et que l'ennemi continue à vous tirer dessus mais qu'il vous reste en antalgique, vous allez être dans, enfin l'écran va se mettre en noir et blanc et vous allez pouvoir terminer cet ennemi si vous distinguez bien lequel vous a tiré dessus. Vous allez pouvoir vous en sortir en utilisant l'antalgique, et vous allez être à genoux ou allongé carrément, et ça va vous permettre de continuer, enfin de ne pas mourir. Et en plus, ça sera un effet plutôt stylé. Voilà, donc je pense avoir tout dit pendant, enfin, je pense avoir tout dit sur le gameplay. Donc maintenant, on va se retrouver pour les graphismes. Mais avant cela, je vais tout simplement un petit peu noter
ce gameplay. Donc le gameplay, j'ai tout simplement le noté 16. 16 parce qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté, il est très intuitif, très facile à prendre en main, mais un poil répétitif, et je vous avoue que ça m'a un petit peu saoulé vers la fin. Donc c'est pour ça que je mets 16. Donc 16 n'est pas une mauvaise note du tout, c'est même une très bonne note, car il a vraiment très peu de défauts ce gameplay, mais il est répétitif et il est un petit peu trop souvent employé dans les DPS. Donc voilà. Voilà, donc j'espère que cette analyse, vous êtes d'accord avec moi en ce qui concerne le gameplay. Et maintenant on va passer pardon au graphisme. Alors en ce qui concerne les graphismes, ils sont vraiment géniaux. Vraiment un gros coup de cœur sur les graphismes. Alors premièrement tout simplement car il y a des très très bons jeux de lumière. Les graphismes sont hyper colorés, il y a beaucoup d'environnements différents et ça c'est vraiment agréable de se dire qu'on n'avance pas toujours dans les couloirs sombres à la recherche d'ennemis assoiffés de sang. Non sérieusement, ça fait plaisir parce qu'il y a beaucoup d'environnements ouverts et moi je vous avoue, j'ai adoré les environnements ouverts. J'aime pas trop être dans un couloir, j'aime pas trop ce système d'être dans un couloir sombre, enfin voilà quoi. Je préfère largement où, même si c'est scripté, même si c'est vachement linéaire, parce que Max Payne est linéaire, hein, mais en même temps pour un TPS c'est tout à fait normal, savoir qu'on n'est pas enfermé, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Vous allez sûrement voir à l'écran plusieurs, je vais essayer de mettre tous les décors différents, et vous allez voir à quel point les décors sont variés, et ce n'est pas toujours la même... ce n'est pas toujours le même endroit, toujours le même environnement, et ça fait extrêmement plaisir. Voilà. Donc je vais pas trop me répéter là-dessus. Quand je dis que c'est hyper varié, ça peut très bien aller d'un cimetière tout simplement à sur un yacht ou dans les boîtes de nuit de Sao Paulo, ou alors ça peut aller dans les favelas. Enfin vraiment, ça peut aller n'importe où. On a même un endroit où on est dans un aéroport, dans un terminal. Donc c'est pour dire, ça peut vraiment être n'importe où, et ça fait extrêmement plaisir. Alors ensuite, au niveau des graphismes, on peut noter que Rockstar ont vraiment eu le souci du détail. Quand je dis ça, ça veut dire, j'entends par là, au niveau des textures. Les textures sont plutôt propres, plutôt soignées. C'est pas vraiment, c'est vraiment très très soigné, c'est vraiment propre. Et c'est pas bâclé. Elles sont vraiment bien, elles sont détaillées, voilà. C'est le mot que je cherchais. Et voilà, donc au niveau des textures, c'est vraiment sympa. Après, au niveau des jeux de lumière, donc comme je le disais, c'est vraiment hyper sympa. Il y a beaucoup de jeux de lumière avec... il y a des couchers de soleil, enfin, coucher de soleil, je parle, quand il fait plus de... le ciel est plutôt orange, quoi. Il est plus bleu, il est orange. Ou alors, il y a la nuit, enfin, il y a vraiment un peu de tout. Et ça fait extrêmement plaisir. Après, au niveau du graphisme, il n'y a pas grand chose à dire d'autre. À part un petit point que je vais aborder, c'est les animations. Alors, les animations et la mise en scène, elle est juste somptueuse, quoi. Les mecs de Rockstar ont vraiment géré là-dessus. Ça veut dire qu'en fait, dans chaque environnement, il y a eu une petite séquence hyper impressionnante. Par exemple, à un moment dans un building, on avait un hélico. On était carrément sur l'hélico, sur les barres, en dessous de l'hélico, je sais pas si vous voyez. On était accrochés à l'hélico en train de tirer, c'était vraiment hyper impressionnant. Après, il y en a plein d'autres, au terminal par exemple, il y a un moment où on saute pour essayer de tuer un ennemi. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en scène, il y a beaucoup de mises en scène et c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment une ambiance géniale. Et c'est cette mise en scène, ces animations font la beauté du jeu et vraiment, c'est pour ça que ça fait que Max Payne 3 est un jeu extrêmement joli à regarder et extrêmement plaisant à jouer. Voilà, donc je pense avoir à peu près tout dit. Donc au niveau des déplacements de Max Payne, ils sont très très bien, c'est très très bien mis en scène, ça fait vraiment très réaliste. Ça fait un peu plus réaliste que par exemple Uncharted qui vraiment pouvait s'accrocher à n'importe quoi, qui était vraiment vachement souple, enfin voilà. Alors Max Payne c'est un peu plus humain, donc un peu plus réaliste. Et ça fait vraiment extrêmement plaisir
Et donc voilà, donc un très très gros point, ces graphismes dans la note globale du jeu. Donc moi j'ai noté ces graphismes, je les ai notés tout simplement 18, car la mise en scène est juste extraordinaire, les graphismes sont géniaux, sans être éblouissants non plus, mais les textures sont hyper soignées. Rockstar a vraiment eu le souci du détail, comme toujours, comme souvent en tout cas, dans les GTA et dans d'autres jeux qu'ils ont fait. Voilà, donc tout simplement, j'ai mis 18, voilà, donc très très bon point, ces graphismes. Et maintenant, on est parti pour la bande son. Alors, cette bande son de Max Payne 3, alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Tout d'abord, je vais mettre cette bande son en deux catégories, la musique et les doublages. Alors, premièrement, la musique. Le thème musical est tout simplement merveilleux. La musique est vraiment très très belle. Elle nous plonge vraiment dans l'ambiance de ce Max Payne. Elle est à la fois sombre et à la fois. Ouais, c'est plutôt une musique triste, un peu mélancolique. Et vraiment, ça nous plonge dans ce Max Payne 3, vraiment dans l'ambiance, dans l'univers et un peu dans la tête du personnage. Et c'est vraiment très très bien fait. Quand je parle des musiques, elles sont pas très nombreuses. On a beaucoup de. On a la musique la plus courante, c'est celle qu'on entend dans les cinématiques quand il est en train de boire ou quand il est en train de prendre des antalgiques. Donc c'est la petite musique là, petite musique triste. Et sinon, c'est un petit peu tout hein, au niveau des musiques. Après, il y a tout ce qui est bruitage et après tout ce qui est musique d'action. Donc ça, c'est les musiques classiques qui sont très très bien faites, très très bien réalisées. Donc voilà, au niveau des bruitages, c'est vraiment nickel, hein. Tous les sons sont parfaitement coordonnés avec l'action qui se déroule. C'est vraiment le son parfait hein, par rapport à l'action. Il n'y a pas de son qui n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer. Donc au niveau des bruitages, donc c'est vraiment parfait. Et ensuite, alors au niveau des doublages. Là, c'est là que ça va tirer tout. Enfin, toute la note de cette bande son va être tirée des doublages qui sont tout simplement magiques. Ce que je veux dire par là, c'est que les doublages sont vraiment très très bien faits. Ça, voilà, sans plus ni moins, ils sont vraiment très bien faits. Mais le doublage de Max Payne, donc de celui qui parle, hein, celui qui le narrateur, celui qui narre, c'est tout simplement énorme. Il est à la fois très, enfin, il fait des blagues, il a un humour noir, comment dire, il n'est pas du tout narcissique quoi, il se critique, il est vraiment, enfin, je sais pas comment vous dire, mais vraiment, enfin, la voix du personnage va très bien avec le personnage, ils sont très bien accordés. Par exemple, quand il dit oui, enfin, quand il se dénigre quoi, quand il dit ouais. À part boire et tout, c'est ce que je sais faire, je suis complètement ivre et tout. Et ben, il y a vraiment, on ressent vraiment ce qu'il ressent. C'est cette voix, enfin, à la. Comment. Enfin, c'est ce qui est bien, c'est ce que cette voix nous permet de ressentir vraiment ce qu'il ressent. Ça nous plonge vraiment dans sa tête et ça nous fait ressentir beaucoup plus de choses qu'un autre doublage, par exemple. Et c'est pour ça que c'est tout simplement énorme. Je sais pas, je pense que je m'emmène un petit peu, mais je pense que vous avez compris ce que je veux vous dire. C'est tout simplement que la voix nous fait transmettre ses émotions. Et c'est vraiment énorme, c'est vraiment rare dans un jeu vidéo qu'une voix peut nous faire transmettre autant de choses. Et pour ça, c'est un énorme point. Les doublages sont vraiment énormes hein, de tous les autres personnages. Mais celui de Max Payne est tout simplement énorme. Quand il parle tout seul, quand il explique sa situation, quand il fait des commentaires, c'est vraiment juste énorme, vraiment énorme, très 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 gros point, énorme point même de ce Max Payne 3. Et donc c'est pour ça que les bandes son, donc je vais pas trop m'attarder dessus, hein. J'ai un petit peu tout dit, vite fait. Je mets tout simplement 17, car 17, car y a, la musique est belle, il n'y a rien à dire, le doublage de Max Payne est merveilleux, et après les bruitages, tout ce qu'il y a, c'est parfait, hein. Sans plus ni moins, c'est vraiment parfait. Donc voilà, 17, j'aurais pu mettre plus, tout simplement s'il y avait peut-être une meilleure variété dans les thèmes musicaux. Et si tous les doublages avaient été aussi merveilleux que celui de Max Payne 3. Enfin, de Max Payne, puisque Max Payne 3, non, ça veut rien dire. Voilà, donc c'en est fini pour cette bande son, et maintenant on va passer au scénario. Up the hill for me, I guess, where the
Alors pour ce scénario, alors là attention, gros point. Le scénario est tout simplement énorme. Comment dire? C'est vraiment un scénario très bien ficelé, très bien organisé, de très bonnes idées, beaucoup de suspense, beaucoup de retournements de situation, beaucoup de, enfin vraiment vraiment beaucoup de choses dans ce scénario, vraiment beaucoup de bonnes choses. Après, c'est vrai que c'est difficile de vous expliquer un petit peu le scénario sans vous spoiler, car il suffit que je vous explique quelque chose et après certains crieront spoil. Mais à la fois, si je n'explique pas grand-chose, certains crieront que ça ne sert à rien, ma vidéo test ne sert à rien. Donc alors, c'est pour ça que je ne sais pas trop comment le prendre, ce scénario, enfin comment vous l'expliquer. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui ont fait le scénario, donc c'est Rockstar, enfin Rockstar, oui, je pense que c'est Rockstar, c'est d'être une personne, enfin un groupe. Deux personnes de Rockstar, ils se sont mais très très bien débrouillés. Ils ont réussi à nous faire un scénario vraiment bien pensé, vraiment réfléchi, pas un truc à la va-vite, un petit peu basique. Alors effectivement, ça a des tendances à faire scénario hollywoodien, un petit peu déjà vu, oui. Mais à la fois aujourd'hui, comment faire un scénario qui n'a jamais été vu autre part? Donc c'est vrai que c'est une question. Complètement, enfin, je veux dire, personne ne peut, enfin, en tout cas, personne quasiment ne peut produire un scénario original du début à la fin. Mais ce qu'ont fait Rockstar, donc, c'est quand même tout simplement énorme. Ce que je veux dire, c'est qu'ils nous ont carrément fait une mise en scène et des cinématiques époustouflantes pour nous faire, pour nous plonger dans l'atmosphère de ce jeu, pour nous plonger dans la vie de Max Payne. Et enfin, moi je vous le dis, à la fin, je jouais vraiment que pour le scénario. À la fin, je vous avoue que le gameplay m'avait un petit peu saoulé vers la fin, vraiment. Ça devenait vraiment beaucoup trop répétitif. Bon, après, je vous dis que c'était dans les deux dernières heures, donc à la fois, vu que c'était dans les deux dernières heures, c'est pas trop gênant. C'est normal qu'à la fin d'un jeu, on commence à en avoir un petit peu marre. Ça c'est tout à fait normal, donc c'est pour ça que j'ai pas pénalisé ce jeu, car beaucoup d'autres font pareil. Et après, c'est vraiment, ça n'engage que moi. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu répétitif à la fin, j'avais beaucoup moins d'envie. Mais ce scénario rattrape complètement le gameplay répétitif. Tout simplement parce qu'on veut savoir qui est derrière tout ça, enfin, vraiment l'explication. Parce qu'il y a un complot, on ne sait pas qui est le supérieur de ce complot, qui met, enfin, tire les ficelles. Et voilà, on veut vraiment savoir. Après, on veut savoir aussi si nos alliés sont vraiment des alliés, si nos ennemis sont vraiment des ennemis. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes dans ce scénario. Et quelque chose de très intéressant aussi, c'est que on a tendance à se méfier un petit peu de tout le monde à la fin. Vu qu'à un moment d'histoire, donc je pense pas que ce soit du spoil. On sait qu'on s'est fait trahir à peu près, et on sait pas trop par qui. Et c'est pour ça que là, à ce moment-là, on commence à se méfier de tout le monde. Et c'est vrai que c'est plutôt intéressant de se dire, enfin de commencer à réfléchir au scénario nous-mêmes, et de pas attendre, mais essayer de tirer un avis enfin, des choses qu'on voit. Et enfin, le dernier point, c'est qu'à la fin du jeu, je vous avoue, j'avais envie d'une suite. Pas forcément un jeu, mais un film. Pour un petit peu enfin, voir l'épilogue. Je trouve que l'épilogue est un petit peu court. J'aurais bien aimé voir ce qui se passait, enfin, comment il allait poursuivre sa vie. Enfin voilà. Et c'est vrai que c'est un petit point voilà, que j'aurais bien aimé. Enfin, le scénario fait qu'on commence à s'attacher au personnage et qu'on a envie d'en voir plus de ce scénario. Et c'est pour ça que le film, parce qu'il y a un film Max Payne, j'ai un peu envie d'aller le voir. Donc je pense que je vais bientôt aller le voir. Enfin, peut-être acheter le DVD ou. Enfin, je sais pas, mais ça me donne vraiment envie de voir, car s'il est aussi bien que le scénario du jeu, eh ben, ça promet, franchement ça promet, car le scénario est vraiment très très bien, et vraiment voilà, j'étais vraiment déçu quand le jeu s'est terminé, même si la fin est vraiment terrible, hein. Elle est vraiment très très bien, mais j'étais un petit peu déçu de devoir lâcher le jeu, et de laisser voilà, cet univers derrière moi. Voilà, donc pour ce scénario, c'est un des meilleurs franchement que j'ai vu. C'est pour ça que je vais mettre 18, mais c'est vraiment un 18 qui se rapproche plus du 18-19 que du 18-17. Mais ce sera un très très bon 18. Voilà. Et maintenant, on peut passer au multi. Alors pour ce multi, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors tout d'abord, j'avais fait une vidéo découverte de celui-ci avec XZ3 Gamer. Et donc, je vous avais donné enfin, mon avis à chaud après avoir testé ce multi.
Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous décrire mon ressenti à froid. Alors pour moi, ce multi, eh ben, c'est tout simplement un multi plutôt bon, plutôt intéressant, qui a de très bonnes idées et qui pourrait facilement rivaliser avec des multis comme Uncharted ou God of War. Mais à cause pardon, de la stabilité des serveurs, je pense que celui-ci, donc ce multi, risque de couler, risque de ne plus être joué par les joueurs dans 1 ou 2 mois. Je pense que ça risque d'arriver plutôt rapidement. Et c'est vrai que c'est plutôt dommage, car franchement, ce multi, il est plutôt pas mal. Il a vraiment des idées super intéressantes et il mériterait de pouvoir tenir, enfin, en tout cas, durer un petit peu plus longtemps. Mais malheureusement, à cause des serveurs qui ne tiennent pas la route et de la pauvreté de la communauté, ben, je pense que ce jeu va, enfin, le multi de ce jeu va très vite couler, va très vite être, enfin, et va très vite devenir délaissé des joueurs. Et c'est vrai que c'est dommage car ce multi pourrait, je dis bien pourrait, hein, être un multi très, enfin comment dire, très frisé et très joué et très apprécié des joueurs. Mais malheureusement, la stabilité des serveurs n'est vraiment pas bonne. Je pense que le meilleur exemple est ma vidéo découverte du multi, vu que j'ai vraiment galéré à trouver une partie. Et vous comprenez bien que alors que j'y avais joué il y a de ça un mois, donc le jeu était sorti il y avait environ 2 semaines, et de ne pas pouvoir trouver une partie très rapidement, après 2 mois, bah, c'est vrai que c'est pas normal. Et c'est vrai que c'est ça qui risque de faire couler le multi. Donc pour ce multi, je vais essayer de pas trop sanctionner, tout simplement parce que c'est un multi intéressant et que ça serait dommage de gâcher la note de ce jeu à cause d'un multi qui risque de couler très prochainement. Donc c'est pour ça que je vais mettre une note plutôt moyenne. Je vais lui mettre 14. Alors effectivement, je suis pas méchant, mais c'est vrai qu'il mériterait peut-être 12. 12 parce que enfin, dans un mois, on s'en souviendra plus, personne n'en reparlera. Et c'est peut-être pour ça justement que j'aurais pu mettre 12. Mais je trouvais ça dommage de sanctionner ce jeu alors que ben, le multi en lui-même était plutôt pas mal. Hein. Il y avait vraiment de bonnes idées, les maps étaient vraiment plutôt bien pensées. Et c'est vrai que c'est dommage de devoir gâcher un multi à cause de la stabilité des serveurs et de la pauvreté de la communauté. Voilà, donc pour ce multi, je mets la note de 14. Et maintenant, on va se retrouver pour tout simplement mon avis général. Non, non, justement, on va se retrouver, pardon, pour la durée de vie. Et donc c'est parti. Alors pour cette durée de vie, donc la longévité du jeu, je vais tout simplement vous dire que ça dépend de votre niveau de difficulté que vous avez choisi lors du début du jeu. Tout simplement parce que la durée de vie et la longévité du jeu, là je parle du solo, hein, dépend de votre mode de difficulté. Je m'explique. Si vous avez choisi facile, même si je précise que je n'ai fini le jeu que en mode normal, mais en mode facile pour moi, vous mettrez entre 10 et 12 heures à le terminer. Car c'est un jeu qui vraiment est très très compliqué, enfin je veux dire très compliqué, et vraiment hardcore, et c'est vraiment compliqué. Et en facile, pour moi c'est un petit peu plus facile qu'en normal. À titre d'information, moi en normal j'ai passé environ 15 heures. J'ai mis 15 heures à finir le jeu. Donc pour moi, je pense que en facile, vous devez mettre entre 12, ouais, ça se rapproche beaucoup plus de 12 que de 10, hein. C'est vraiment, pour moi, vous devez mettre 12 heures. Car moi je pense que c'est vrai que ça fait beaucoup de se dire que j'ai peut-être passé 3 heures à recommencer des niveaux. Mais c'est vrai. C'est vrai que j'ai vraiment galéré à ce jeu car il y avait vraiment un très haut niveau de difficulté. Mais à la fois je voulais pas basculer vers le mode facile, tout simplement parce que ça m'aurait enlevé un petit peu le plaisir de jouer. Et voilà. Donc c'est pour ça que je vais vous dire que la durée de vie, elle est quand même très très bonne pour un jeu, enfin pour un TPS. Parce que je vous conseille le mode normal, hein, évidemment. Le mode normal pour tout joueur expérimenté, vous mettrez, je pense, entre 12 et 15 heures. Et 12 et 15 heures, c'est vraiment convenable, hein, pour un jeu de ce calibre. Et après, pour le mode difficulté bah, difficile, là, je pense que vous mettrez vraiment beaucoup plus de temps. Vous mettrez entre 15 et 20 heures, hein, on peut le dire, car vraiment,
Ça, je pense que ça doit être vraiment compliqué et il doit y avoir un bon degré de difficulté à relever. Et ensuite, alors il y a un petit ajout des développeurs pour rallonger un petit peu la durée de vie. Donc je vais parler du multi un petit peu après. Mais il y a les armes en or à récupérer. Donc des bouts d'armes en or, ça peut nous permettre d'allonger la durée de vie. Donc pour expliquer brièvement, ce sont des armes d'or, enfin des parties d'armes en or, dissimulées un petit peu partout dans les niveaux, dans les zones. Et c'est à vous d'aller les récupérer, sachant que vous n'avez aucun indice pour aller les chercher. Donc c'est vraiment une partie exploration, une partie découverte de l'environnement pour essayer de trouver ces fameux morceaux en or. Voilà, donc ça c'est un petit point positif, hein. Je vous avoue que moi j'en ai récupéré une bonne partie, même si j'ai dû en rater de nombreux. Mais c'est vrai que c'est un bon point qui peut rallonger la durée de vie, mais je pense pas que ça va suffire à me faire recommencer le jeu. Après, pourquoi pas dans plusieurs années, mais pour l'instant non. Et ensuite, un autre point, c'est les indices à récupérer pour vous en apprendre plus sur le scénario. Donc ça c'est vraiment un très bon point. Puisque si vous voulez vraiment savoir le scénario du début à la fin, pour connaître toutes les subtilités de ce scénario, bien, vous devez aller récupérer tous ces indices. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Même si, bon, je vous avoue que moi, j'ai pas le courage de recommencer le jeu juste pour savoir tout sur le scénario. Voilà, donc je pense avoir un petit peu près tout dit. Ouais, donc pour cette durée de vie, du coup, je vais mettre la note tout simplement de 14. 14-15, tout simplement parce qu'elle n'est pas énorme, mais elle est bonne, elle est correcte, elle est convenable. Voilà, donc je pense voilà, que je vais mettre 14. Et elle mérite peut-être un peu plus. J'ai plutôt basculé à 15. Parce que j'ai oublié le multi qui rallonge quand même la durée de vie. Même si j'en ai parlé précédemment et que pour moi ça ne tiendra pas énormément. Voilà, donc pour cette durée de vie, c'est 15. Voilà, donc maintenant on est parti pour la conclusion. Donc en bref. Voilà, le prochain sujet. Alors en bref, Max Payne 3, c'est quoi? Alors en bref, Max Payne 3, c'est tout simplement un jeu à la troisième personne, un TPS, qui est vraiment extraordinaire. Il possède des graphismes époustouflants, une mise en scène à en tomber par terre. C'est vraiment une mise en scène géniale. On a vraiment l'impression d'être un James Bond, on a vraiment l'impression de faire des sauts de malade, d'avoir une gestuelle à Lara Croft, enfin vraiment une mise en scène géniale, des animations incroyables. Et puis voilà. Au niveau du gameplay, donc c'est vraiment un gameplay très facile à prendre en main. Tout ce qu'il y a de plus basique, avec un ajout du bullet time et de la bullet time, donc vraiment des ajouts vraiment plutôt pas mal, plutôt intéressants. C'est vraiment. Vraiment pas mal comme ajout, et ça permet de diversifier un petit peu le gameplay. Ce gameplay, c'est aussi un gameplay un petit peu répétitif à la longue, mais pas. Enfin, on ressent cette répétitivité très tard dans le jeu, donc ce n'est pas très, très, pas très, très grave. Ensuite, Max Payne 3, au niveau de la durée de vie, bah, c'est plutôt pas mal. C'est une durée de vie plus que correcte, avec de nombreux secrets à découvrir et de nombreuses armes en or à chercher. Max Payne 3, au niveau de la bande son, c'est tout simplement une musique très jolie, avec des doublages extraordinaires, des doublages magiques qui nous font vraiment entrer dans la peau du personnage et qui nous font vraiment entrer dans l'atmosphère de Max Payne. Et Max Payne, au niveau du scénario, et ben c'est vraiment le point fort de Max Payne. C'est un scénario, tout ce qu'il y a de plus bluffant, un scénario hollywoodien vraiment très bien géré, très bien ficelé, avec très peu d'incohérences, et vraiment du suspense, et ça nous tient en haleine pendant tout le jeu, et ça c'est vraiment, vraiment remarquable. Et ensuite, Max Payne 3, c'est un multi gâché par une instabilité des serveurs et de la pauvreté de la communauté. Mais c'est quand même un multi plutôt intéressant, et j'ai quelque chose à vous dire, c'est que si vous aimez ce multi, profitez-en, car à mon avis, il ne tiendra pas longtemps. Voilà, donc Max Payne 3, c'est un jeu que je peux vous recommander vraiment sans hésiter. Si vous avez un achat à faire en ce moment, c'est Max Payne 3, un jeu vraiment génial qui obtient la note de 16,5 sur 20. Donc c'est vraiment une très bonne note qui est un petit peu gâchée par le multi, mais n'en prenez pas compte.
Si vous cherchez un bon jeu solo, prenez Max Payne 3. Voilà, donc voilà, cette vidéo test est maintenant terminée. J'espère avoir été le plus clair possible, le plus, comment dire, le plus impartial possible, vraiment le plus honnête possible, sans vraiment vanter, sans être, comment dire, vraiment en étant le plus naturel possible et le plus objectif. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et c'est là-dessus qu'on va se terminer, voilà, qu'on va terminer. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si ce concept de vidéo test vous plaît. Et moi, je vous dis, on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur Call of Duty, sur FIFA, sur Ratchet & Clank, sur des nouveaux jeux et encore plein d'autres surprises. Voilà, c'était Razan. À vous les studios. Non, je dis con, ça fait vraiment, j'arrive vraiment pas hein, les fins. C'est vraiment catastrophique.